Ou un brawler s'il se rend. Un tireur. Un gunner. Un gunner. Il est où, le gunner? Peut-être comprendra-t-il un jour que son perso est lotier. Il ne croit pas en la tier list. Je vois pas. Que des lotiers. Il est où, gunner? Il me semble qu'il est en G, il me semble. A, B, C, D. Non, il est pas là. On est devenu un bug. Peut-être tout en bas. Le payiste mi. Putain, tireur mi. Voilà. Oh bordel. Bon. Ah oui, d'accord, c'est pas gunner, c'est tireur. Voilà. Et sur ce, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a déjà pris 53%. Faut savoir, j'adore regarder Snake, moi. C'est un de mes persos préférés à regarder et à jouer. En même temps, faut dire que ça a pas mal d'options, c'est stylé. C'est voilà. Stylé. 51% déjà en offstage, c'est assez dangereux pour Bouyou, mais il a quand même le réflecteur, enfin pas le réflecteur, l'absorbeur. Il a l'absorbeur qui va être très pratique pour le coup. Pour, Snake, c'est très pratique. Il a réussi à lui coller la bombe? Oui. Ah oui. Le C4 il est sur lui là, et là il est sur Oxy. Ah, il a réussi à s'en débarrasser, impressionnant. Bah, tu peux t'en débarrasser si tu colles à l'adversaire, mais je sais plus combien de temps, je crois que c'est 12 secondes. Et oh, il a explosé. Par contre, il était sur lui là. Depuis quand? Il l'a recollé dessus, je pense. Ah ouais, d'accord. Impressionnant, ça, les gars. Un bon Snake qui arrive facilement à bouger, c'est impressionnant à regarder, je trouve. Ouais, hein, c'est... Genre... Le D-Reverse avec la grenade. Regarde Apollo Kage, par exemple, tu vas comprendre. Ah ouais, d'accord. Et pendant ce temps-là, 44... Il a oublié qu'il avait des explosifs, c'est génial. Ouais. Il a compris qu'il avait l'absorbeur, c'est chiant. Que ce serait chiant. Faut dire quand même que Snake, c'est un perso qui tape comme un camion. Ah, il a pas besoin de ses explosifs pour exploser les gens. Hein. Ouais, vraiment. Bon, après, évidemment, les projons ça aide. Hein. Parce qu'il a pas la meilleure frame data au corps à corps. Ouais, il a pas la meilleure frame data, mais si tu veux, quand il tape, il tape aussi fort que Ganon, quoi. Sauf que, il a les avantages de Ganon sans avoir les inconvénients, c'est incroyable. C'est génial, putain. En vrai, c'est quoi les faiblesses de Snake? À part le fait que, genre, tu peux le juggle et Sarico. Ouais, j'allais dire Larico exploitable, mais c'est tout en vrai. C'est tout. C'est un top tier ce perso. C'est pas spécialement un sac à coups. Il a des situations. Bah surtout, il a la grenade frame 1, quoi. Ouais, non, mais c'est rare, mec. C'est rare. Ah, dommage. Est-ce qu'on continue de donner Protect Chase? Je pensais qu'il allait. Dommage, qu'il allait le F-Tilt. Sur un C4. Guyou qui est site 21, je l'aurais vu plus haut, honnêtement. Ah ouais? Ouais. Oh, le up-tilt. C'était le premier up-tilt qui allait passer. Y'a pas que le up-tilt de Snake qui tue celui de Gunner aussi. Ouais, hein, c'est... on a tendance à oublier. Voilà, il a soigné 21% avec une Mickey Power. Oh, oh, qu'est-ce que tu cuisines? Il l'a laissé faire. Oh putain, il réco 10% sur la greuille. Bah, en même temps, ça fait mal. Hein. Ah, putain, je sais pas comment fonctionne le... Il me semble que ça renvoie précisément les pourcentages. Bah, voilà. Voir un peu plus. Si Coulter un C4, il est bon. Et du coup, dès qu'il va sortir un explosif, comme aucun des explosifs de Snake sort, explose vraiment. Ouais. Il y en a qui sortent vraiment, mais il y en a pas la un. La grenade, ça sort vraiment, mais ça explose, je sais plus. Enfin, ça met du temps à exploser, il me semble. Ça dépend en fait si tu tapes. Si tu tapes dessus, ça explose. Si tu tapes, ça explose instant. Si tu mets du feu, ça explose instant. Ah bon? Il semble qu'il y a que ça. Et le missile. Oh, ah, il arrive à douiller. Le gimp. Le gimp au der. Oh, le fer qui dure 8 ans. Non, c'est un air ça. Un air? Oui, c'est un air. Autant pour moi. Le fer, c'est un gros. Ah oui, c'est un coup de pied en hache. Un gros coup de pied. Smack. C'est cool les explosions, donc Snake c'est cool. Ouais, je suis d'accord. Cet argument est validé par Michael Bay. Snake avec le skin Big Boss en plus, quel plaisir. On apprécie le lore. Hein, on d'ailleurs, je le tiens lore. À dire, j'ai pas du tout commenté le match, désolé, mais. Oh, t'inquiète. Hein. Je tiens à dire que j'ai joué à Metal Gear Solid Collection. Ah ouais? J'ai acheté. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, ça vaut le coup. Déjà, t'as les trois jeux, ouais. T'as les trois premiers. T'as les putains de VR missions qui sont normalement introuvables au monde en animateur. Ouais. T'as les Snake Tales qui sont impossibles à trouver à moins que t'aies la version substance. Et t'as genre. Il te manque des modes de la version 3, je crois, mais genre. Avant d'avoir les émulateurs, tu les auras jamais quoi. En fait, c'est les HD versions, tu vois, donc la caméra est plus maniable. Ah ouais, d'accord, voilà. Donc en fait, c'est juste du plaisir pour ceux qui vont jouer. En fait, vraiment, vraiment, genre, je te jure. Et donc, on a des mecs tels qu'on les espère en fait. Par contre, je me dis, le jour où ils vont porter Metal Gear Solid 4, Peace Walker et 5 sur la Switch. MGS2 le meilleur. Ouais. MGS2 le meilleur. Je trouve quand même que MGS3 est meilleur, mais après, c'est mon avis. Par contre, en attendant, Snake, il fait mal là, 48% déjà. Ouais, hein, c'est terrifiant et pourtant il se régène. Hein. Pourtant, il se régène, mais ça suffit pas. Bah écoute, régène, ça ne suffit pas si tu ne tues pas. C'est vrai. Tu peux poser les pourcents derrière. Un healer tout seul, ça ne fait rien. Genre, tu peux healer tous les pourcents. Tu peux faire tout ce que tu veux, hein, mais ça heal pas. À part le but, si c'est des morts vivants. Tuer les personnes, ouais, c'est ça.
94% déjà. Je pense que Bactro C4 ça tue honnêtement. Bactro C4, je partirais plus sur un tilt. Up tilt, je sais pas si ça tue en vrai. Non mais pourquoi ça m'a dit quand on a un up tilt? Ouais, le up tilt de Snake c'est le meilleur smash du jeu, tu vois. J'avoue dit comme ça, ouais. Ah. Non. 119%. Quoi? Alors. Tu hérites les trucs sur le plus ouais. Le mec a 200. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait pas? Je sais pas, frère. Les deux premiers hits du fer. C'est tout. Le jab. Le jab à l'autre bout de la map. En attendant, Guyou il a jab pris. Le jab en gentleman il tue pas à l'autre bout de la map. On était sur DF. Guyou a pris la première stock. Oui, il tue pas. Ça m'a rendu fou, je te jure. Ah, gars. Je sais pas pourquoi ça a pas tué. Non. Après peut-être ça, c'était... Mais en fait, alors ça c'était les pourcents. Ça c'était les pourcents à la fin 240. En attendant, pendant ce temps-là, Guyou est sur une instru 92, enfin 72%, c'est quand même un peu quoi, grand. Je joue en fonction de l'ursin à jour. Genre, Retail King, c'est pire que Pichu. Le Tomahawk grab très bon, qui permet de gratter, et contrairement à Nigunner, Snake ne peut pas se régénérer. Le C4 qui est sur le ledge, attention, le donner. Ouais. Tout simplement parce qu'il fait pas jouer contre les chocos. Qui ça? Ouais, Jigo. Et Inkling. Quoi? Et Blur. Inkling Ryu ça. Ah, c'est toi qui. Inkling Ryu c'est plus que passable. Oh! Tu t'es pris un vent là. T'inquiète, t'as juste à dire de la merde et ça passe. T'as juste à aller faire une lotus. Waouh, c'est drôle ça. En attendant, hein, Guyou. En attendant, Guyou qui gratte. Oxygia qui n'est pas démérité. Le fer qui connecte tout le temps. Le down smash en tech chase. Incroyable, 95%, 109%. Le missile, la Nikita, est-ce qu'elle va être fatale? Ça arrive à tout frame, attention. Et on a plus de saut et on est mort du côté de Guyou. Et 2-0. Autoritaire, non pas autoritaire parce que Guyou c'est quand même bien défendu. Anecdote, je me suis que sur Fortnite le jeu du démon pour acheter Snake.